Au finir, t'as sous la lave, on Non, je déconne. Au finir, t'as Comment ça sous se la passe? lave, on peut trois. On a un retour son, on a tout ce qu'il faut. C'est fait plaisir. Le retour image, il est là. Le jeu, il est là. La manette, elle est dans la main. Il n'y a pas de son. C'est parce que je regardais des vidéos en même temps. Hop, on est là, on a la tenue d'Artoria. Parce que je trouve qu'elle pète sa mère et que j'aime faire ce que je veux. C'est mon truc, hein, faire ce que je veux, c'est un peu la marque de fabrique du paquet de taille. Du coup, il faut qu'on aille tuer Sif, qu'on aille tuer les 83, qu'on aille tuer Boobies Sama. Enfin, il faut qu'on aille tuer plein de trucs. La paroisse des Morbides. Le faux au bout, il est pas dans le... Non, il est pas dans la liste des téléportations. Salut André. Comment tu vas André? Allez tuer mon pote le loup. Il va crier aouh aouh. Parce qu'on l'a récupéré avant Manus. Du coup on a débuté la scène spéciale. On n'a pas passé la zone des chats qui se pètent en boule. Putain mais quel con quoi. J'ai réussi à tomber. Ah bah j'ai tombé. Hop.
jam, les gars. Non, toujours pas. Turn your earth from the very start. Have a look at my sword. For it's the last thing you'll see. Jam. You. Ah, mais c'est une chose. Ah oui, il y avait un anneau aussi. Peut-être l'énergie nécessaire pour la roue. Et j'avais essayé à l'époque de faire un truc fou avec le collage, mais ça ressort toujours aussi.
trop tard là, boulette. Repose-toi, vieux frère. C'est quoi déjà la nouvelle fois? T'es critique, non? Putain, faut que j'arrête de penser qu'on est dans le DLC, à droite y'a rien avec la gauche. Ouais, à gauche c'est bien. Je regretterais quand même un peu qu'ils aient coupé la musique. Comment les mecs au début du jeu ont pensé qu'ils voulaient disparaître? Sachant qu'avec une Claymore 15, il faut quand même les mettre 4 points. Ça rapporte rien cette merde. Sont où les arbres? C'est Dieu, donnez-moi des trucs quoi. Je me rappelle même plus pourquoi je suis venu là. Ah, c'est peut-être pour raccourci pour la vie. Ouais. Ça sert vraiment à rien. Et là on retourne dans le premier truc de la forêt.
Ok, je suis en train de faire pas de 4 points par contre. Au feu. Je me demande si après avoir tué les 4 rois, tu peux te téléporter directement dans les abysses sans avoir l'anneau. On essaiera pour rigoler surtout. Si genre le téléporteur te dit non mais on va arrêter les conneries, t'as pas l'anneau, tu peux pas. Voilà. Ah bah je vous jure,
C'est parti! Ah merde! Et merci Dara! Oh, tu viens quatrième là? Eh oh! Ah voilà! Des roulades, c'est pour les autres. Vaincre les 4, c'est bien. Ah ouais, je voulais faire le test de me téléporter dans les abysses sans l'anneau. Et salut Dara, merci pour le host, c'est cool. Oh, help them as promised. Goodbye then. Do stay safe. Oh. Envoie des gens bien. Ok. Du coup, je les insulte pas tout de suite, c'est ça. Je me rappelle plus, c'est les gens bien ou pas quand même. Je sais jamais.
essayer la TP dans les abysses. Non mais vous êtes sérieux? Je suis censé mourir là. Attention, c'est l'instant boubi. L'instant boubi. O chosen undead, thou hast journeyed far. Please, thou shalt a kingseeker. Now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one who. Oh non, elle est morte! Tarnishes the godmother's image. I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Ok, pas de soucis, je suis là. Viens me faire périr. Viens. Viens, je t'attends. Les deux gardes qui est à l'entrée et après on ira nous occuper de Gwendoline. Gwendoline. Je me rappelle plus comment on tue Gwendoline, je sais qu'il est horrible en fait. C'est une sorte de course dans un couloir. Du coup il y a Balder et il y a je me rappelle plus comment ça s'appelle. De la tour noire. Bon bah ça c'est fait. Ah, c'est celle-là qui se transforme en espadon d'Artoria. D'accord. Ah, vas-y, les prérequis par contre, 18, 18, 18, quoi. L'âme de Manus. Il se transforme en catalyseur de Manus. L'âme de Quillag. On a plus l'âme de Quillag, mais c'est vrai. Non, plus c'est cool. On a plus l'âme de Quillag. On l'a fabriqué avec. Espadon, espadon. Et droite, espadon, espadon d'Artoria.
il faut beaucoup de titanites de démons. D'Intel, je suis pas loin au niveau Intel, au fond, je suis un peu loin. Par contre, elle a décès partout, quoi. Donc, si tu fais du 50-50-50, il y a moyen que tu gagnes des Kravonos, gros stuff. Désolé, on va pas te tuer tout de suite parce que j'ai besoin du feu de sang. So it is you, Warden. How dare you produce a blade upon a foe? Si vous pouvez rester là encore un petit peu. First thou offendeth the Godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the Great Lord. I am the Dark Sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. Pas te lever, je t'étais couteau. Ah voilà, là c'est bien ça, c'est bien comme ça. Ah,
swathed in Mackay dark. Light. An eternal curse upon thee. Le couloir infini qui s'arrête. Qu'est-ce qu'en laiton, l'armure en laiton, les trucs en laiton. Là y'a rien. Ouais, je t'enverrai ça tout à l'heure, promis Dara. Je te dirai d'arrêter de dire livre. Ils l'ont enterré, hein, l'euro. Oh, cool, normal. Copain, quoi. Hey, salut Doué. Oh, petite perle noire. Orbe noire. On peut pas l'utiliser, j'ai passé de... d'intel. Oh bah du coup avec ça on aura fait tous les boss du jeu hein. Je crois pas me tromper en disant qu'on a tout fait. Récupérer l'âme de voilà l'âme de la guerre de Duke. Du coup tout ce qui nous reste c'est à courir vers la fin du jeu. Du coup maintenant il y a deux choses: ou on tue les forgerons histoire de récupérer les marteaux. Qu'est-ce que j'ai fait ?
fais Alt F4 là. Genre, est-ce qu'ils oublient que je viens d'avaler l'âme de la gardienne du feu sans le vouloir? Oh putain, quel con. Vous n'avez pas quitté le jeu correctement. Je sais, j'ai fait une connerie donc. Non. Ah si, c'est bon. Cette chance. J'avais quand même failli finir en crise de nerfs hein. Parce que derrière quand tu reprends le travail et quand tu es au travail et que tu fais les conférences, c'est un peu compliqué. C'est vrai que l'année dernière, comme j'étais un petit peu épuisé, je me suis dit cette année on peut faire RTT, on fait bien, tranquille. J'ai posé 2 jours pour le 3. J'avais posé le jour d'hier et aujourd'hui pour le 3 et voilà. D'ailleurs il y a la conférence de Nintendo à 18h. Je serai en live avec vous pour voir Pokémon 72 au moins. C'est ça, à 18h Nintendo. Alors est-ce qu'il y a des trucs qui me plaisent? Il y a pas mal de trucs qui me plaisent, qui vont venir. Le truc c'est que c'est des trucs qui sortent pas tout de suite. Mais déjà juste le remaster de Resident Evil 2. Resident Evil 2 qui est pour moi, hein, c'est mon avis à moi, donc ne commencez pas à hurler. Resident Evil 2 qui est quand même le meilleur de la licence. Qui est le meilleur Resident Evil. Et j'avoue que voir le remaster arriver, enfin c'est un remake, hein, ils l'ont totalement repris à zéro comme ils avaient fait avec le 1. Et c'est bon quoi, vu ce que j'ai vu, moi je le commande direct quoi. Après oui, je suis un fanboy. Hein. Et ancien nouveau, hein. C'est pour moi le meilleur titre
Resident Evil qu'ils ont fait. Après, à Resident Evil 1, qui était novateur, mais pas forcément très, très fluide et tout ça, Resident Evil 2, c'était juste la perfection. Resident Evil 3, il a ce côté nanar, en fait, que je déplore un peu. Je sais pas comment l'expliquer. C'est too much, en fait. Ils ont vu Tyran sans croix, ça marchait bien, ils se sont fait, allez, on va faire pire, Nemesis, c'est parti. Il va lui courir après pendant 75 km, le truc totalement débile, en plus. Enfin, pour être que ça reste un bon titre. Bon, on va aller mourir contre le roi. Hein. J'ai oublié combien il était puissant. Là. Genre de truc qu'il a surtout pas oublié. Hein. J'ai jamais caché mon avis sur Resident Evil 7 qui pour moi est beaucoup trop silentilesque pour être un Resident Evil. Alors je suis d'accord, hein, ils doivent se renouveler, ils doivent tester des nouveaux trucs, mais ils sont pas obligés de pomper tout ça. Après, il paraît qu'en VR ça fait le cas. Si vous avez la VR, c'est pas mon cas. Même pour un premier essai, on a fait quoi. Et je suis en train de penser, on n'avait pas ressuscité Solaire. Ah, parce que quitte à avoir ressuscité, avoir sauvé Solaire, je pense faire quelqu'un. On va changer d'armure. Attends, elle fait combien celle de la Torias? 10. Ah, je vais aller d'élite, elle est plus lourde. Après, je suis un peu dégoûté de certaines conférences, je dois bien le dire, que ce soit Sony qui avait une... Pourquoi tu vas te faire engueuler? Parce que tu connais pas Resident Evil? Je suis pas comme ça. Ah, t'as fait cramer un truc. Bah, fais-le vite tremper quand t'auras nettoyé ce qu'il y a dedans. Oh, super fort. Ah putain, j'ai oublié de changer, on était sur l'E3 hier, tu vois. Attendez, je reviens. Ta-da-da-da. Là, ça sera mieux normalement. Conférence Squaresoft, y avait rien. Ubisoft, bah, ils ont montré 2-3 images de 2-3 bricoles, mais... ils avaient rien non plus. En fait, j'ai l'impression que Ubisoft a fait une conférence parce qu'ils en font une tous les ans. Moi, ce que je comprends pas, c'est Squaresoft, en fait. Enfin, Square Enix. Square Enix, il fait une conférence alors que ça faisait 3 ou 4 ans qu'ils en avaient pas fait. Les mecs se tapent une conférence qui est payante, hein, parce que c'est quand même eux qui organisent tout ça. Et ils montrent rien. Enfin, je veux dire, quitte à faire une conférence, autant avoir des trucs à monter, quoi.
Je sais pas. Enfin, il me semble, hein, après. Je peux me tromper, hein. C'est peut-être mieux de faire une conférence, même si t'as rien à montrer, mais dans ce cas-là, pourquoi ils les faisaient pas les années d'avant, quoi. Enfin. Dragon Quest 11, c'est bien joli, mais enfin, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est sorti au Japon. Ou alors il est sorti l'année dernière, je sais plus. Enfin, il est déjà sorti depuis un moment, donc ceux qui voulaient le tester, ils l'ont déjà testé, quoi. Et ça me fait chier de dire ça, parce que j'ai envie d'y jouer, moi, à Dragon Quest 11. Elle est où la marque de solaire? On l'a peut-être pas sauvé du coup. J'adore parce qu'il donne des titanites, mais enfin, on dirait un distributeur de bonbons quoi. J'ai manqué la marque de solaire ou quoi? C'est pas impossible en me connaissant en fait. Bah Xbox, ils avaient beaucoup d'annonces, mais en fait ils ont rien. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, y a rien d'inédit pour eux. Halo, c'est un jeu qui sortira pas avant au moins 2 ans. Enfin... C'est ça, il n'y a pas d'exclu. Gear of War, tout le monde savait qu'il allait sortir, donc voilà. Il y aura une fille dedans, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau, parce que finalement les graphismes c'est les mêmes qu'avant. Je sais pas. Après, ils ont annoncé beaucoup de trucs, donc ils ont dû. Ils se sont fait plaisir hein, au niveau des annonces. Mais il n'y a pas grand chose pour eux, quoi. Mais ça te donne pas envie. Bah ouais, surtout qu'il y a The Last of Us 2. The Last of Us 2, moi, le mec, il a commencé à jouer de la musique sur scène. Je me suis dit, putain, The Last of Us 2. J'ai vu les images du jeu, c'est Day One. Hein. Enfin, je sais pas sur quoi on sera à ce moment-là, mais je peux vous le dire tout de suite, on va l'abandonner direct. Hein. En mode balèque. Hein. Oh, déjà, comme ça. Bah moi je suis pas d'accord. Hein. The Last of Us c'est un excellent jeu et The Last of Us 1 offrait à la fois un système de jeu qui était pas déplaisant et une histoire qui était top. Et j'ai vraiment envie de faire la suite quoi. Et là quand il me donne une date, moi perso c'est bon, hein, j'ai le petit kit tout dur. Hein. Après, faut savoir raison garder. Hein. Ce qu'ils ont montré dans la vidéo, le jeu sera jamais comme ça. Hein. Ils ont déjà annoncé Red Dead Redemption 2. Alors, Red Dead Redemption est déjà annoncé pour la octobre ou novembre, je sais plus. Mais il n'y avait pas d'image. Faut dire qu'ils en ont montré déjà beaucoup. Donc, est-ce que ça valait vraiment le coup d'en montrer? Je sais pas. Donc, ils se sont pas pris la tête. Sans Sony, ils ont fait une micro-truc. Hein. Mais bon, en termes de gameplay, au niveau de la manette, c'est aussi endormant que Assassin's Creed. Oui, en effet, c'est un peu le problème des jeux actuels. Ah merde, je suis con. Mais enfin... Je vais pas défendre le gameplay de The Last of Us, parce que c'était clairement pas son point fort. Mais bon, de là à dire que c'est Assassin's Creed... Je suis assez d'accord, mais pas tout à fait, quoi. Je peux pas dire Assassin's Creed, quoi.
Ah, je suis pas d'accord. The Last of Us a apporté un nouveau souffle aux histoires romancées, on va dire. Je me suis pas retrouvé level 1. Ah, le bot est peut-être corrigé. Ce qui serait cool depuis le temps. J'étais sûr qu'on avait sauvé Solaire pourtant. Est-ce que j'ai oublié une étape? Je sais jamais si tu veux troller ou pas, Dwayne, en fait. Putain, j'arrive pas, hein. Non, mais c'est parce que t'insistes, en fait. Je pense qu'on a déjà tout dit. C'est pour ça que j'arrive pas à savoir. C'est pareil, tu le compares à des trucs qui sont pas comparables. Oblivion, c'est peut-être un chef-d'œuvre pour toi, mais... Enfin, les trois quarts des joueurs n'y ont jamais touché, quoi. Oblivion, techniquement, tout ce qu'il a rapporté par rapport à Morrowind, c'est des dialogues, hein. Enfin, l'ajout qu'il a fait par rapport à Morrowind, c'est de dire, bah maintenant, les dialogues, ils seront doublés. Mario 64, il a créé... Il a créé des trucs énormes parce que c'est le seul qui s'est pas craché la gueule en mode j'ai rien compris à la 3D et j'ai sorti un jeu à l'arrache parce qu'il fallait sortir un jeu. Attends, les débuts pourris du HDR où tu pouvais pas l'utiliser parce que personne n'avait un PC qui le faisait tourner. Y a que les créateurs qui l'ont vu le HDR à l'époque, hein. Soyons honnêtes, hein. Il fallait une machine à 1 million d'euros. Ah bon, Elder Scrolls 6 dans 10 ans. Hein. Ils vous ont montré un bout de montagne pour vous calmer. J'espère que tous les fans sont heureux. C'était scrotré sur place. D'accord, au niveau du monde, de l'immersion, tout avait été fait dans Morrowind. Hein.
Hey, salut Mia. Hey, mais Morrowind, il a créé la physique... pas la physique. Morrowind, il a créé tout le côté immersion dans l'histoire, dans le truc, dans le machin. Enfin... Voilà. Après, le moteur de Morrowind, il avait des années d'avance. Hein, de pas de Morrowind, d'Oblivion. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne pouvait le faire tourner, quoi. Et c'est pour ça qu'il s'est planté, le jeu. Ça a pas été un échec critique, mais... ça a quand même pas été la jouissance, hein. Et c'est pas vrai, Dwayne, parce que à l'époque, quand il est sorti, le château, tu le voyais pas. Enfin, je suis désolé, mais remets-le dans son époque, et tu verras que... Certes, il était en avance, mais il était beaucoup trop en avance. Parce que là, tu te rappelles de ce que tu vois maintenant. Et c'est clair que Oblivion, maintenant, sur nos machines à nous, le truc, c'est une bête de course, hein. Mais Morrowind, il était dégueu, mais n'empêche qu'il tournait sur tous les PC, quoi. Et puis pour l'époque, il était pas si dégueulasse que ça. Quand il est sorti, il était pas si mal. Moi, je me rappelle d'avoir vu les démos à l'époque sur les CD de PC, je sais plus quel magazine à la con. Et c'était pas si dégueu que ça. Hein. Ça faisait même très très plaisir. Bon, le premier coup, j'arrive à le contrer, mais après, pas terrible. Hein. Ah, ça c'est le problème de tous les Elder Scrolls, hein. Quand ils sortent ils sont déjà en retard. Hein. Ou en avance. Fallait que ça passe. Fallait que ça passe. Du coup, les amis, est-ce qu'on allume le feu ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait tomber le monde dans les ténèbres ou on rallume le feu? D'accord, encore une fois, hein, Morrowind, il est pas brillant, mais de là à dire que tout a été fait par Oblivion, c'est faux, quoi. Je veux dire, c'est parce que le moteur de Morrowind était déjà pas mal que eux, ils ont pu retravailler le moteur et faire Oblivion, quoi. C'est comme ceux qui disent Skyrim, c'est trop bien, il est génial le jeu. Enfin, le jeu est sorti, il était dans un état dégueulasse, quoi. On a sauvé le monde, temporaire. Oh,
Ah, mais Oblivion s'est crashé parce que y avait plein de choses. Mais c'est surtout parce qu'il demandait beaucoup trop de ressources, hein. Tu sais, un jeu PC que tu peux pas faire tourner si t'achètes pas un PC deux fois plus gros que ce que t'as, enfin, c'est normal que personne veuille y jouer, quoi. Autant de nos jours, les gens font des efforts et tout, autant avant... Ouais, c'est la fin du jeu, ouais. Du coup, c'est la fin du live aussi. On va se retrouver à 18h pour Nintendo. Et on se retrouvera à 20h et quelques pour un petit live des familles sur un nouveau jeu. Et c'est ça le problème, Doué, parce que quand tu voyais les images qu'eux ils te promettaient et ce que tu faisais tourner en lot. Oui, il y a la conférence Nintendo qui aura 2-3 jeux Switch dessus, forcément, vu que c'est leur avant-dernière console, parce qu'il reste quand même la 3DS. Mais c'est vrai que là, on va voir de la Switch. Et moi, je suis très impatient de voir le Shin Megami Tensei. Franchement, s'il n'y a pas Shin Megami Tensei dans cette conférence, je pète une durite. Hein. Shin Megami Tensei et Fire Emblem. C'est tout ce que je demande. Oui, ils ont annoncé qu'il y aurait du Metroid 4. Je veux un Shovel Knight en version boîte. Je crois pas qu'il soit annoncé en version boîte. Je sais qu'il y a la nouvelle version qui est annoncée, mais je crois pas qu'elle soit en boîte. Ah, Fire Emblem, quoi. Fire Emblem... Ouais, il est en cours, mais on n'a rien vu encore. On sait pas ce que ça sera, on sait pas quelle ambiance ils ont mis. Enfin, moi, je veux des images, quoi. Je veux une date de sortie. Parce que pour l'instant, c'est comme Shin Megami Tensei. Hein. C'est vite fait 2-3 images graphiques évoluées, voilà, quoi. Yooka-Laylee... Ouais, le Kolelei en bois, j'ai vu. Mais ni de la plateforme 3D, on n'a rien. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, il faut bien l'avouer. Bah, c'est clairement pas mon genre préféré. Hein. J'ai pas de réflexe en fait, donc au début du jeu ça va. Et dès qu'il me demande d'aller sur des trucs super rapides où il faut être ninja master. Tu vois, Mario Odyssey c'était bien, hein. Plateforme pour débutants, parfait quoi. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini les derniers niveaux. Hein. J'ai tellement pas eu le temps d'y jouer quoi. Ah, Mario Odyssey, il y avait beaucoup de trucs, mais c'était pas cohérent. Enfin, y a beaucoup de choses à dire, mais le jeu était pas top quand même. Puis c'est ça, le jeu en lui-même est facile, quoi. Il y a juste le niveau final, là, infernal, qui est... Enfin, final. Après la fin. Ah non, mais les lunes, c'était abusé. Bah, de toute façon, pour finir le jeu, il t'en faut 400 et quelques. Les trucs, t'en ramasses deux à la douzaine. Enfin, deux douzaines dès que tu pètes. Putain, je suis dans un état. C'était Dark Souls Remaster, les amis. J'espère que vous aurez aimé ce troll. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. J'en ai quand même un bon souvenir. Il n'y a pas que toi. Hein. Moi, j'ai un bon souvenir du jeu aussi. Hein. And in this land, juste la partie avec Donkey Kong, la cité... comment c'est ? New York. Avec la partie musicale, c'était juste énorme, quoi. They are locked away. Tu dois faire une run deathless. Non mais je suis pas un runner de jeu. Je sais pas mon genre quoi. C'est...
Je run pas les jeux, moi je j'aime bien quand ça va à son rythme, tu sais. Pépère, tranquille. Genre là, on va jouer encore 5 minutes parce que voilà, je vais pas vous abandonner au milieu du truc. Après une heure de live. Mais là, on a fini. Hein. C'est juste que je voulais pas couper la discussion. Du coup, y a au milieu de tout ça, il y a Blackstar qui a essayé de nous parler de Jurassic World Evolution. Je sais que c'est un jeu qui lui tient très à cœur. Eh ben, la suite, vous la verrez ce soir. Je l'annonce pas parce que j'ai pas envie. Je suis un connard. Mais ouais, ce soir, vous verrez un nouveau jeu. Alors, c'est un RPG. C'est beaucoup plus rétro. C'est... Ça reste un action RPG. Hein. Alors, après la conf Nintendo, je vais faire une pause de moins une demi-heure pour manger. Mais ouais, ça sera après la conférence de Nintendo ce soir. Ouais. Je pense que la conférence de Nintendo, elle devrait durer à peu près une heure. On fera ça vers 20h, 21h. Quoi. Si je me suis pas endormi dans le coma, tout ça. Je sais pas, je sais même pas s'ils ont annoncé combien de temps elle durerait. Je veux pas regarder de toute façon. Dans tous les cas, vers 20h, 21h, on commencera le live sur un nouveau jeu. Faut pas que tu m'emmerdes. Ils annoncent un F0 et gagnent le 3. Mais il n'y a pas de concours 3. C'est pareil que Alucard qui me dit Microsoft a gagné, Microsoft a gagné. Ouais, non. Microsoft a fait une très bonne conf, c'est sûr, mais... Enfin, voilà, quoi. Est-ce qu'ils vont vendre plus de consoles avec ce qu'ils ont montré? Je suis pas sûr. Bon après avec Alucard on a un petit concours de celui qui a la plus grosse entre Sony et Microsoft. Parce que il croit que je suis pro Sony et je fais semblant d'être contre Microsoft. Alors que là je joue à un jeu PC quand même. Hein. Alors mais Shenmue 3 il sort à la fin de l'année donc ça va, mais FF7 Remake il sort pas avant au moins un an donc... PC égale all. Alors, allez, faut avouer que ça c'est un ajout de gameplay qui est énorme, même pour les PC. Faut dire que Microsoft a bien géré à ce niveau-là. Hein. La manette Xbox est quand même quali. Hein. On peut dire ce qu'on veut. À ce soir, Millie.
J'ai viré la 360 pour la One. En fait, j'aime pas le bruit que fait la One. La One, t'as ce côté bruyant que j'aime pas. Après, c'est moi. Hein. Je suis un emmerdeur pour le public. Mais... Bah moi j'ai tout en fait, donc c'est vrai que je choisis pas. Et je me rends bien compte que tout le monde ne peut pas avoir toutes les consoles chez lui. Ça a failli mal finir ça. Bloodborne, je need. Ah, mais c'est trop bien Bloodborne. Hein. Mais Demon's Soul était déjà top. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut une, enfin, il faut une PS3 ou une PS4, mais... Quoique, j'ai vu que l'émulateur PS3 tournait plutôt bien sur PC. Donc ceux qui veulent faire Demon's Soul et avoir un petit peu du goût du premier Soul comme ils les ont fait, ça peut être cool pour eux. J'aimerais bien essayer les Kingsfield un jour. Mais ça m'a l'air un peu chaud quand même. Two World, putain. T'as du courage Two World, hein, parce que c'est quand même un gros nanar le jeu. Je sais même pas ce que je fais là, franchement. Il paraît que le 2 est mieux. Il paraît que le 2 est mieux que le 1. Bon, sinon j'ai dit que j'arrêtais en fait. Donc on s'embrasse, on se fait des bisous et on se téléphone plus tard les amis. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous voulez voir plus tard dans la chaîne. Si vous voulez que je finisse Dark Souls 2, mettez-vous des doigts dans les fesses. Mais vraiment, hein, faites-vous plaisir. Ghoul and Ghost, non c'est bon, j'ai pas envie de me suicider. J'aime bien ma tête où elle est en fait. Je pense que dans une corde ça serait moins bien. Ah mais Ghoul & Ghost c'est du suicide sur pattes. Le truc qui a aucun rapport.
Sauf que t'as peut-être passé trop de temps sur Golden Ghost et du coup t'as pas dû réviser. Alors, tu me tires pas dessus, toi? Ah, je me disais aussi. Bon, ça c'est fait. Dungeon Keeper. Putain, Dungeon Keeper c'est... En fait, ce qui est chaud dans Dungeon Keeper, c'est les graphismes en fait. J'adorerais vous montrer, mais ouais... Graphiquement, c'est chaud quoi. Je sais pas comment on peut le stream quoi. Je sais pas s'il n'y a pas des packs HD sur internet, faudrait que je regarde. C'est ça, ils ont très mal vieilli et parce qu'en fait ça me dérangerait pas d'en streamer un petit peu pour montrer un peu aux gens ce que c'est, mais ouais, niveau graphisme c'est chaud quoi. Autant moi je suis habitué, autant j'ai pas envie que les gens se brûlent la rétine quoi. Je sais, je suis désagréable, mais c'est pas si moche que ça, mais quand même. De toute façon, Bakel, tu streams en 720p, c'est trop moche. Tu peux seulement streamer des jeux moches. C'est vrai. Mais je le fais pas. Je te latte les couilles! Ouais les gars, vous vous amusez bien, hein. Vous me dites hein, quand vous avez fini de me tirer dessus. C'est ça. Ah, il y a un nouveau Doom, ouais. Enfin, un nouveau mode pour Doom. C'est tout ce que tu viens me dire? Oh, hello?
Hello there, the sun. If only I could be so. Je vais pas te forcer, mais. C'est vrai qu'il y a un nouveau Just Cause aussi. Vu qu'on en a pas beaucoup parlé. Il y a un nouveau... comment ça s'appelle déjà, le simulateur de moto. Pas Trackmania, c'est l'autre. C'est... Trial, voilà. Bah, il vient pas. Alors, copain? Atrial, c'est cool en fait, mais la physique est dure à accepter au début. Je me demande où il va quand il est pas sur le pont. Parce que vous voyez, dans Demon's Soul, quand il était pas sur le pont, le dragon, il était ailleurs. Et on savait où il était. Alors que là, je me demande où il est. Après, je me pose beaucoup de questions pour pas grand chose. Hein. Si, mais en fait, dans Demon's Soul, le dragon, quand il n'était pas à sa place sur le pont pour t'attaquer, il était à un autre endroit. Pour son âme sur la queue, il faut faire... En fait, tu peux te mettre sous le pont, et avec l'arc, tu peux couper sa queue. Et je l'ai déjà fait la première run, on va pas tuer sa queue. La seule que j'ai loupée, c'est Priscilla. C'est pas la seule façon. Non, quand il vient sur le pont pour t'attaquer, tu peux aussi l'attaquer. Enfin, essayer de lui prendre sa queue. Ah, le bug est totalement abusé avec le. Enfin, c'est pas un bug au final, c'est. C'est profiter un peu d'un truc que les développeurs avaient pas prévu. Tu peux le faire sur le pont en fait quand tu l'attaques pour le tuer. Mais c'est chaud quoi. C'est chaud de chez chaud. Hein. Un coup de chaudre, hein? Oh oui! Oh, je te l'ai mis dans le cul. Mon épée. Tu l'as bien senti. Wonderboy, j'avoue, il m'intéresse, mais. Faut attendre les prochaines soldes. Vous inquiétez pas, elles arrivent. Il y a des soldes toute l'année. Bon, du coup, les amis, j'arrête ici. On se retrouve à 18h pour Nintendo. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure.
Et n'oubliez pas que si Bakael est à poil, c'est certainement que Bakael a trop chaud. Ce qui est le cas actuellement. Mais je suis pas à poil, vous avez vu, j'ai mis un t-shirt.